Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Ça va très bien toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui, petit gameplay standard avec les nouveautés qui continuent d'arriver. Ouais, hein, ça Open fait plaisir. Pizza Box, il y avait trois decks d'Ymir différents qui ont perfé. On a choisi de vous présenter le deck d'Ymir Midrange. Le deck d'Ymir Aggro, on y croit un peu moins, même si évidemment il a perfé, donc ouais. Voilà, GG à lui. Et on a aussi un d'Ymir Control dans la besace qui ne ressemble pas du tout à ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, dites-le en commentaire et on vous présente ça. Les adorateurs de d'Ymir, là, vous avez cliqué sur cette vidéo, bienvenue à vous. Voilà, si jamais vous, si vous voulez en voulez un peu encore. Plus, voilà, c'est pas forcément la prochaine vidéo qu'on va faire, mais au moins on se le garde dans la besace et on peut vous le présenter tantôt. Voili voilou, donc intéressant de voir ces nouveaux decks apparaître et parfait surtout. Ouais. Ça fait plaisir. Faut savoir que le Pizza Box c'est un open, donc n'importe qui peut venir y participer, mais il y a plus de 100 joueurs et les decks qu'on vous présente se sont placés en top 8, donc sur un pool de joueurs qui est quand même assez conséquent. Ouais. Donc ça reste des decks qui, au moins sur un tournoi, ont fait une performance honorable et ça mérite à nos yeux d'être présenté, donc on vous les présente. Exact. Merci à Playin le sponsor, Merci les boss. Beaucoup. Les boss, code VALAPL 2023 sur leur boutique. Toujours 50% de points de fidélité supplémentaires pour vous quand vous l'utilisez. Et ça nous soutient, donc merci à tous. Une seule fois par an et par contre, donc voilà, faites-vous plaisir là. N'hésitez pas à utiliser le petit code, tous ceux qui n'ont pas utilisé cet été. Et merci également à notre autre sponsor, Ultimate Gourd. Ouais, merci beaucoup puisque, Ultimate Gourd. Ils nous ont encore une fois régalé, mais quand ils nous régalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes régalé. Oui. Et ça veut dire concours. Concours sur Twitter. Allez-y. Tous ceux qui n'ont pas Twitter, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'outil. Vous avez juste besoin de créer un compte pour participer. Et si vous voulez, après, vous n'utilisez plus jamais Twitter. Mais c'est con de passer à côté de pas participer. Du concours parce que là, ils régalent totalement. On a deux jeux de sleeve Cortex. Du coup, ils font les katanas que vous connaissez très bien, mais ils font également les Cortex qui sont très très bien. La nouvelle gamme. Nouvelle gamme? Oui, c'est une nouvelle gamme Cortex, nouvelle gamme Cortex. Qui est en train de, voilà. D'être plébiscité et par les gens. Et d'ailleurs, ça, c'est, ça tombe très bien que leur nouvelle gamme sorte, puisque les katanas, c'était tellement des bangers qu'ils étaient en rupture pendant un moment. Du coup, heureusement, ils avaient les Cortex pour nous régaler avec des sleeves. Et vous avez du coup c'est deux ça. Cortex dans ce bundle, qui sont de couleur noire. Un playmat. Un playmat noir, je ne sais pas si on voit bien la couleur. Alors là, il est gris et il y en a un noir aussi, parce qu'en fait, vous avez deux giveaways. Et donc, en fait, ce qu'on vous fait gagner, c'est un starter pack, c'est-à-dire donc, du coup, des sleeves pour sleever votre deck. Des boulders pour ranger votre deck, c'est le nouveau boulder limité avec trois couleurs différentes, c'est fait ça. En produits recyclés et qui vous offre le du Return coup to 3 Earth. Deck box, donc vraiment exceptionnel, plus le tapis de jeu pour jouer. Donc voilà, ouais. Si jamais vous débutez Magic ou alors que vous avez des decks Magic mais pas de quoi les ranger, vous avez de quoi sliver deux decks, ranger trois decks et jouer autant de decks que vous voulez sur le playmat. Oh. Ça, c'est un giveaway, il y en a deux à gagner, deux, ça se passe sur Twitter. Exactement les mêmes. Vous likez, vous commentez, vous retweetez, vous connaissez de toute façon les règles du jeu, entre guillemets, seront marquées dans le tweet. Vous avez juste à cliquer, le lien il est à la fois en commentaire et en description. D'ailleurs, le boulder, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais ils nous ont envoyé celui où il y a bleu, blanc, rouge dedans. Ouais, mais je crois que c'est les trois limited colors. Ah, c'est ça, eh ben voilà. Ouais, c'est les trois limited colors et donc du coup, ce sont tous de ces couleurs-là. Ah ok, donc non, c'est pas un clin d'œil parce qu'on est français, mais pas fait ça fait plaisir. Mais ça fait blanc. Plaisir. Donc voilà, ça régale, il y a deux starter packs, c'est comme ça que j'aime les appeler, ouais. À vous faire Il gagner. Il vous manque que les cartes à mettre vous dedans. Regardez cette vidéo lundi, le giveaway il est disponible sur Twitter au moment où cette vidéo sort, et je tirerai au sort un gagnant jeudi soir. Exact, donc voilà, à vos, enfin, à vos comptes Twitter. Deux gagnants. Ce deck d'Ymir Midrange, du coup, ça fait plaisir parce qu'il y a des nouvelles cartes qu'on voit, qu'on n'a jamais vues, Kaito, Ombre Dansante, et l'Érudit Fairy aussi, qu'on a très peu, voire pas du tout ouais. Vu en compétitif. Même le Kaito Shizuki qui avait quand même disparu complètement du standard, et là on le revoit. Je l'ai vu aussi, des adversaires m'en ont joué, pas que dans le deck d'Ymir, donc ça fait plaisir. À côté de ça, on a les classicos Exterminer droit à la gorge, Illich Cholera dans l'Anti-Bête, les bonnes créatures de noir, Outsider Tenace, Introduit Cimetière, Sheoldred, Airtide, du coup on joue d'Ymir quand même, on va pas s'en priver. 3 Liliana aussi, ça refait son apparition. Bah oui, on peut rejouer des Planeswalkers, donc on voit qu'on se fait plaisir. On a même un petit Teferi, Pèlerin Temporel. Contre 5, c'est contrôle. Et ça marche très très bien. Et on a les 4 Megdizapir, évidemment. Ouais. En plus, qu'on a Outsider Tenace qui se sacrifie très bien dessus. Ce que j'aime bien avec ce deck, c'est que c'est une version intelligente, en tout cas un move intelligent, de pouvoir recycler les versions Grixis qui ont perdu donc du coup le rouge pour Fab du Brise-Miroir et qui du coup ne joue plus l'Harvester en Dimir. Mais si en fait, si vous regardez bien, on conserve la même curve avec du coup des Érudits Fairy à la place des Harvesters. Ça remplit pas exactement le même rôle, mais ça se met dans le même étage de la curve tout en proposant une menace différente. Par contre, les Kaito Shizuki, je trouve que c'est vraiment un remplacement. Le Kaito à 3 mana, c'est vraiment un remplaçant dans la curve à Fab du Brise-Miroir. C'est-à-dire que c'est un permanent qui va générer à la fois du board et de la value, un petit peu à l'instar de ce que pouvait proposer une Fab du Brise-Miroir. Et donc j'aime bien cette opportunité qu'on a donnée aux joueurs de Grixis de recycler entre guillemets leur deck en Dimir, en jouant des cartes différentes, en jouant des mécaniques un peu différentes, mais en ayant quand même un peu le même positionnement dans le format. Donc ce deck-là me semble assez intéressant dans ce côté recyclage, quoi. Ouais,
très, très très cool. Ouais. Et comme on est bicolore, on a même deux petits Mirex Bien dans ma sûr. labasse, ça fait plaisir. On mange pas de pain. Inside, quatre contraintes, une botte dédaigneuse, une négation, une arène phyrexiane, un dérouillage contre les créatures blanches, bah, évidemment, on les connaît. Exterminer le quatrième, c'est ça, ouais, parce qu'on en joue C'est trois main ça. deck, Lady Chaudlade en plus. Deux, déluge luisant, très très fort contre soldat et contre Célestin Enchante, ça marche très très bien. Intrus du cimetière, deux exemplaires de plus, et la petite Chaulred supplémentaire. On est parti? Classico, je Allez, on suis va refaire. prêt à tester ça, ce bon Dimir Midrange là. Ça fait plaisir de voir cette bicolorité là qui était un petit peu Ouais. délaissée au profit de Et Rakdos. qui en plus est très rarement joué en Midrange, Dimir. Qui est pas souvent Plus joué en souvent joué en Midrange, contrôle. pas souvent joué en. Classement deux manches, Dimir, standard, Et on let's est go. parti. Ouais, c'est vrai. Même d'ailleurs, Dimir aggro, donc l'autre deck qui a perfait, c'est encore plus rare, je trouve. Ouais, alors après Enfin, il y avait Gredin, quoi, l'autre mais. deck d'Ymir Aggro, si on l'a pas présenté, c'est que c'est vraiment la base mono-noir agressif que les gens connaissent, avec des mecs 10 de pierre pour pouvoir respecter les 5 coups Oui, du format. c'est pas un vrai Dimir. C'est mono-noir splash C'est un bleu. mono-noir splash bleu qui était intéressant dans la mécanique et dans le build, mais qui vous fera moins découvrir de choses que ce deck-là, et encore moins que le deck contrôle qu'on vous réserve. Si jamais ça vous parle, dites-le dans les commentaires, évidemment. Et j'en profite aussi. Oh, l'anneau qui arrive avec les petites bulles. Du coup, maintenant je sais pourquoi les bulles. Oui, on nous a dit parce qu'il tombe au fond de la Eh rivière, ça oui, fait des bulles et tout. c'est logique en fait. Non. Si, Ouais, mais moi j'ai pas envie. mais ça m'étonne quand même. Mais j'ai pas envie, Mais c'est voilà. logique. Et j'en profite pour vous dire que si vous regardez cette vidéo dans la semaine, eh bien ce week-end, on est au Commander Fest. Donc voilà, venez nous voir si jamais vous êtes d'Annecy, c'est à côté. C'est cool. Let's go. Alors, Titatou. Chez Tati Tatou. Chez Tati Tatou. J'attaque, Kaito, je pioche. Oui. Ou je moins 1. J'attaque chez Kato, je pioche. Oh, c'est à moins 2. C'est dur à. Vas-y, dis-le vite. J'attaque Kaito, je pioche. J'attaque Kaito, je pioche. Dur, hein? Un peu. Un peu quand même. Kaito, je pioche. Dur. Ah ouais. Hop, il disparaît. On peut déjà faire l'ulti tour d'après. Non. Imagine. Pourquoi pas? Contre lui, je garde plutôt Tawara que Takenouma, je pense. Ouais, Le il a l'air de prochain. jouer Hearts of Control, la version d'Autumn Burchett. C'est toujours très performant sur le ladder. Donc c'est un mono blanc qui splash en late game déchirer le multivers. Ouais. Je l'ai vu, il a perfé encore dans un tournoi ce Ouais, deck, ouais. c'est redondant, il y en a toujours un qui se balade dans chaque top. Je vais mettre un coup de poing avec cet Ouais. outsider. Je pense que tu proposes littéralement de le déchirer là avec ta curve tour 2 dans Kaito dans Shaunred. Ça Ouais. fait plaisir. Je vais lander ça du coup. Je suis holdé. Ah oui, ne t'emmerde pas. Propose-lui Et bien je vais le. gagner 2 points de vie. Propose-lui bien la max là de ta sortie. On a beaucoup de land, ce serait bien de piocher un peu plus Ça te actif. rappelle un truc, tour 2 dans Permanent Drop 3 qui fait de la value et Shaunred? Rien. Je vois J'ai pas de quoi jamais tu vu parles. ça de ma vie. Ah, en DC, tu parles. En DC, on fait ça des fois. Eh oui. Pas de raffine. Mais cela dit, c'est cool. Et ça reste une alternative différente. Ouais. Non, on peut lui mettre des nions. Hein. Le Ah, but, c'est je ça. pense qu'il faut pas chercher à nionter contre lui. Je suis assez chaud de remettre 3 points, de piocher avec Ouais, Kaito et de voir. déjà, on va faire ça, ouais. Et tu peux Il pue. rester air-tie-up. Air-tie-up. Ok. Je vais quand même piocher. J'ai plein de land à discard. Oh, excellent. Je vais défausser ça. Takenouma, ça reprend quand même Shaldred. Moi, je pense que tu peux enlever Otawara, non? Vu que t'as plein Ou sinon, un d'anti-pelage et tout. actif. Je mets ça au cimetière. Je suis Là, mon peut-être. play, c'est de rester open, de toute façon. Ok, vas-y, vas-y. Je crois que je vais enlever ça. Comme l'open pizza box. Oui. J'ai landé. Oui, t'as landé. J'ai landé quoi? Rivière souterraine. Sûr? Tu peux essayer, hein? Ouais, sûr. Sûr. L'avantage, c'est que Magic Arena te Te propose rappelle. de Bah, tester. t'empêche de tricher. Ouais. Ouf-y. Comme dans la vraie vie avec ton adversaire. J'ai landé? Ah oh bah je sais pas. Ah je pense que j'ai pas landé. Hein. Moi, je dis toujours non. Il lande, je fais gage! Hop, ça dégage. Et après, je dis non, j'ai jamais dit ça. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a trop de mana, donc je dirais non de base. Ah oui, non, ouais. Juste je airtie, je sais pas pourquoi tu réfléchis, ça coûte trop de mana. Ouais. Ben, je me suis dit, qu'est-ce que c'est, tu vois? En plus il attaque pas ton Kaito, oh, c'est le plaisir quoi. Cette game Bah, c'est le il avait déjà plaisir. passé la phase d'attaque, étonnamment. Que de l'amour. Bah, il voulait du board, je pense. Pioche. Je vais attaquer. Non, tu Ouais, vas. je vais pas trop Je crois attaquer. pas que tu vas attaquer. Ouais. Pas sûr, du moins. Je peux en enlever un. Ah, tu gardes Ottawa, hein, genre. Je sais pas, en fait, si c'est des ETB qu'il a, non, c'est peut-être pas Moi, fou. j'enlève Ottawa, hein, franchement. Peux mirer. Peux mettre un petit coup, hein. Ou on veut reprendre Shouldred. J'aime bien reprendre Shaldred et rester érudit, plus droit à la gorge up, ça te permet de Ok. protéger ton Kaito un tour de plus. Je suis pas pressé, moi. Ouais.
Oui, on est un T'es peu presté inquiet au début, mais bon. parce qu'il y a Breach qui arrive, mais tu peux aussi aller essayer de chercher un. Ok. Tu peux aussi essayer d'aller chercher un mec disrupteur pour t'en prémunir, quoi. On va empêcher Skaito de mourir, je pense, hein, Moi, ouais. de diverses manières, notamment avec un droit à la gorge, et tu reprendras juste ta. Ta Shulrad. Ouais. Et ça va du haut, lui, hein? Le coco. Il a fait son taf, El Corco. Ok. Ouais. Sais que c'est toujours pas ce que fait son drop 5 qu'on a contré. Ça peut jouer un Planeswalker à 6 gratuit. Ok. Ça peut activer deux fois les capacités des Planeswalkers. Shoulder. Ah, on a un melee, une, dommage. Moi, ouais, je pense que je le raid quand même. Kaito plus 1 du coup. Ouais. Après Shulred, c'est mieux, effectivement. Plus jamais. Putain, on trouve pas nos contres, on en a 4. Ouais, plus certaille. On enlève Miracle. Hein. Ouais, là on va garder nos deux actifs. Parce que là, il va nous faire land de Breach et on va perdre. Et c'est chiant. Ben nous, à part une Shieldred. Ah, mais il y a déjà une Shieldred au cimetière. Ah, c'est plutôt ce que lui trouve qui va m'emmerder de zinzin, quoi. Il y a des gros trucs. Moi, j'imagine qu'il y a le Planeswalker à 6, du coup. On me Oui, il y laisse a prendre 5 salles, Eternal ça gagne. Vagabond, mais tu vois, genre Eternal Vagabond là. Non, mais c'est Shulred plus Éternel Vagabonde, ça commence, quoi. Ah. Ah, tu peux érudire en réponse? Ah non, Bah ouais. c'était la plus grosse, Non, quoi qu'il non, advienne. sacrifier un créateur en jeton. Je réponds au trigger. Ou un Planeswalker, en fait. Ou un Planeswalker, ouais. Tu peux enlever ton Kaito, plutôt. Pas mieux de garder Kaito que Erdifery? Bah, en fait, j'ai envie de faire droit à la gorge fin de tour, moi, surtout. Ok, ouais. Kaito, il a fait son job, non? Moi, ouais. Oh, quoique non, Ah! je fais Oui, érudit. là, du coup, oui. Voilà. Et ça, à mon tour. Mais je pense que c'est mieux dans cet ordre-là. Ouais. Et tu peux même décider d'outsider, là. Hein. Du coup, tu fais droit à la gorge, outsider, tu lui proposes une phase de bourre de zinzin, là. Ouais, vas-y, je tue ça. Ouais. Tu landes parce que si tu trouves mec 10 de pierre, t'es Landé, ouais. content. Là, si tu trouves mec 10 de pierre, t'as gagné la J'ai partie. eu peur. Et tu as attaqué avec tout. Bagarre. Bagarre! Ouais, il va chumper là, je pense, hein, sinon il passe très bas en PEV. Alors, bloquer outsider, c'est vraiment nul s'il ne chump pas Shulred. Ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, Ouais. mieux. On Et prend que deux. donne-nous un mec 10 de pierre, s'il te plaît, maintenant! Ouais, c'est terrible, hein. Terrible. C'est terrible, c'est terrible. Après, il est à 6. S'il ne fait pas de TB, enfin de gestion, pardon, à Sheldred, c'est un peu compliqué pour lui. Même avec un breach. Ouais, ça c'est un peu relou, Edgar. Oh, et du coup, il peut retourner. Belle. Gagner les PM. Oh la Ça y est, il est blague, là, un quoi. peu tard. Ouais, sur Land, on peut plus contrer le Je breach. peux quand même outsider. Je mange pas de Peu pain. outsider pour Ça fait piocher, quoi, ouais. érudit, les deux joueurs piochent? Les deux joueurs piochent, ouais. Ah, c'est Et chiant. du coup, si on le fait à son tour, on pioche deux, nous. Par contre, tu lui fais perdre des PV. Ouais. Mange bien, ouais. Ah, Tu mais peux il est lui faire juste. piocher combien de cartes? Deux. Faire perdre 6 PV en tout avec Si le t'attaques clip. avec Shouldred et qu'il passe à Mais 4, on a gagné. il a une 5-5. Ouais, mais est-ce qu'il veut te le donner? Ah bah oui, pour pas crever, ouais. Surtout pour se débarrasser de ça, oui. Ouais, mais je sais pas s'il a vu la ligne, tu vois. Peut-être que oui. Ouais. Je pense qu'il a vu quand même. Je vais juste piocher avec ça. En D. Bah, tu peux attaquer aussi avec Érudit, non? Du coup. Oui, Voilà. oui. Hein. Allons-y, quoi. Ah merde, je suis con, putain. Dans ma tête, il est bloqué que ça, c'est un Bah, en 5, vrai, mais... ça va, je trouve. Enfin, dans tous les cas, tu veux piocher, hein. Oui, mais j'allais piocher sans attaquer. Je vais donner une 2-2 du coup. Pourquoi t'avais pu... Ah oui, bien sûr. C'est bon. Je crois que t'étais Et du coup, obligé. c'est pourri maintenant, ça. Est-ce que j'ai donné ça? Oh, je suis un cave. Ouais, mais je l'ai En pas fait, comme vu. j'ai dit juste avant, il va bloquer que ça 5-5. Je suis Ouais. resté sur mon truc alors que c'est Bien con. sûr. Bah, après, tu peux Liliana et lui faire... Ben, plus 1, je vais faire mon mec des Non, non, pierres. mais tu lui fais saquer un 2-2, en Ah, 5 fait. un truc? Ouais, ou... Ok. C'est toujours ça de prix, on dira. Hein. Au lieu qu'il aille dans TPV, il va dans Liliana. Il attaque pas excessivement bien en fait dans cette Liliana avec ta Shulred Up. Ouais, mais il doit me donner quelque chose. Bah si, il peut attaquer avec Edgar. Bah j'ai pas envie de lui donner, je vais dire Non, d'accord. non, ouais. Il dit qu'il est d'accord. Fine. I know when Attention, I'm là il est not pas wanted. mort avec Erudiferi et Shulred là.
2 points, plus tu le fais draw 2. Il y a des chances, ça dépend ce qu'il a. Là, il va piocher. Ah non. Ah bah oui, il t'empêche de l'étal, du coup. Eh bah t'as gagné. Ouais, mais j'ai gagné, je crois. Attends. Ok, cool. 3, 4, ouais, c'est ça. Si je vais piocher deux fois. Il faut que t'aies 10 mana, t'as combien? 4, et je lui dis fin de tour, et il est mort. Ah, mais tu Non, peux il pas faut que du j'ai coup. 8 mana, juste. Là, en fait, juste, je fais piocher 2. Ah oui, c'est bon, t'as même pas besoin de connecter, J'ai bien pas besoin sûr. d'attaquer, ouais. On sait quoi le Bon mieux? alors attends, attends, tu peux aussi attaquer, mais par contre ça marche pas s'il est anti-bête. Mais en même temps, s'il est anti-bête, il va s'interposer entre tes deux effets. Ah bah Non, non. parce que si j'appuie et qu'il est anti-bait, Ah je bah. réappuie, il est Bah mort. alors du coup c'est bon. Normalement, c'est mieux. Ouais, c'est mieux comme On a ça. bien compté. Oui, on a bien compté. Il est marrant ce deck en vrai. Ça, c'est hyper drôle à faire, ouais. Ah mais oui, mais il va juste tuer Shadred, on est con nous. On aurait dû lander avant pour avoir Make 10 the Pyre Up. Ouais. Ça va. Let's go! Pas d'attaque. Ok. On s'en fout. Ok. Gros, j'ai eu l'impression qu'on était un peu bête pendant Oui, une petite minute mais moi là. aussi. En fait, moi, c'est depuis que je lui ai donné une 2-2, je me suis dit, On n'est ah, plus plus. con. On n'est plus, on n'est plus. Alors, contre Bot, lui. ça a l'air Alors, bien. ça, c'est très bien. Même ça, c'est Hein. très Oui. bien. Ah oui. Ça, c'est bien aussi, hein. Il joue des Planeswalkers, il Ouais. nous l'a dit, donc, Oui. donc on veut les 10. En fait, il joue pas du tout mono blanc bridge. Hein. Il joue vraiment Ouais. Orzhov, midrange. Du coup, est-ce qu'on veut grind avec Arena? Ça m'a l'air pas dégueu, Tu mais veux? pas beaucoup de pression. Oui, allez, ok. Les Duress, j'en veux peut-être quelques-uns. Ouais. Quelques-unes, pardon. Ok. Ça, non. Non. Cutdown, ça a pas l'air fou. Non plus. Droit à la gorge, j'en veux quand même. Peut-être en cuté. Moi j'aime bien les droits à la gorge. Je pense que Liliana c'est nul parce qu'il joue des invitations au mariage. Tu peux enlever toutes les Liliana. Ouais. Et Est-ce que je veux plus de duresse? Je suis pas sûr. non, je resterai comme ça. J'aime bien. Pour la gorge, on garde 4. Ouais. Ouais, il faut quand même gérer un peu. Ouais, parce que tu vois là son Edgar il t'a cassé les couilles. Le fait qu'il transforme ses trucs en 4-4 lifelink. Enfin, Ouais. dès que t'as droit à la gorge, t'as le droit d'attaquer. Donc. Sa restauration des Ganjo aussi, c'est un peu chiant. Très bonne curve. Super. Super. Magnifique cet effet. Ouais. Incroyable ça. Oh le petit mulligan Blou, 5 blou, qui blou, pique blou. là. Oh, putain, si t'avais la Aïe, petite duresse pour l'enfoncer, ah, mais il avait que des créas. j'aurais pris un petit plaisir machiavélique. Ah ouais. Je pense que j'aurais ri comme un gobelin. T'aurais fait. Je bête là. Oui, bête toi. Bêtement. Je bête bêtement. Tu bêtes bêtement. J'aime bien Érudit Bête, Ferry bête, avec bête, 4 bête, mecs bête, bête, 10 bête, de bête. pierre parce que ça permet vraiment d'avoir le choix entre bête fin de tour ou anti-bête. Il est bien ce Ouais. deck, il est bien pensé. Ouais, franchement, franchement bien. Il est smooth. Vas-y, 3 points. 3 points, il prend son anti-bête, tue un truc derrière et t'es. Je suis Gooch. Mec, t'es Gooch. T'es Mengucci. C'est moi. C'est moi, Doug. Tu peux enlever ton outsider, mais c'est mieux. J'enlève ça. Ouais, mieux. Je lui bannis sa carte. Tu es banni, séant du Rohan. From here. Ouais, rien à faire. Bah, c'est le launch raid, hein. Bah ouais. Tranquille. Ouais, ce qui est important, c'est. Ah, quoique, attends, son tour 5, il est méchant. Hein. Tu peux rester R-Type. Hein. C'est quoi sur 5? Bah, c'est sa saga à la con, là. C'est à 4. Elle coûte 5, sa saga. Elle coûte 5? Elle coûte pas 4? Non. Sûr de toi? Certain. T'es certainement sûr? Ouais, je suis vraiment Ok. certainement Du coup, sûr. je reste R-Type. Ouais. R-Type. Before you go go. Sachant que tu peux juste érudit fin de tour au pire. Oui, ouais. Bah, comme j'ai un play, ça me dérange moins. This is ok quoi. J'ai même ça, tu vois. Ouais. Mais si j'avais pas de play, En très plus, tu chiant. transformes le goinfre. Oh, le Goinfre. Goinfre. Le goinfre. Il va pouvoir exiler deux fois plus de cartes. Oui. Oui. Sachant qu'il n'y en a pas. Ah bah c'est très bien, ça a Ah, il y a dégagé. ça, c'est vrai, ouais. Ça dégage aussi. Il l'a joué, je l'avais oublié, tu vois. Oui. Mais parce qu'elle est oubliable. Bah, En ouais. fait, c'est surtout qu'il y en a une qui est très peu oubliée. Du coup, elle Ah, prend on le s'en pas. souvient très fort d'elle. Oh putain, Mais c'est tellement doux super. ici. Je suis là. Shouldred moelleux là, ce type. Ah bah non, je Ah reste non! up du coup. Ah oui, putain, je croyais que t'avais 6 mana. Je me suis emballé. Mec, il est emballé quoi. Franchement, je suis emballé par sa liste, ouais. Ouais. Belle. Mais à mon avis, c'est Seigneur Enchant, c'est pas facile. Hein. Ah bah, je pense que c'est bye. Enfin, Enfin, t'as un peu de side, hein, mais. tu as perdu, quoi. Je crois que tu sacrifies Artai, non? Mais je peux aussi juste dire ok, non? Il fait quoi là de pire? Franchement, Plus 1, c'est chaud. mec, t'es en train de le bourrer à la tempo. Le laisse pas te faire un 2-3, c'est chiant, quoi. Tu perds du temps, juste. Ok.
Là, ce qui se passe en gros, c'est que tu vas lui dire non en sacrifiant ton Airtie, tu vas faire fin de tour Érudit Fairy, t'as quasiment l'étale sur Antibet, voire l'étale sur Shulred en fait s'il bloque pas. Contrer ça. Ouais, Ouais, c'est puis vrai. en fait tu lui dis en mode Ah, il allait tu ne bloquer, je mettais stabilises deux. pas, tu vois. Mec, c'est incroyable. Hein. On va vous Ouais. montrer que ce deck ne peut pas perdre. Excellent. La vidéo dure 6 heures, c'est normal. C'est parce qu'on joue jusqu'à avoir une Bah, défaite ou mourir de faim. regardez du coup la timeline de la vidéo. Là, il voit 22 minutes sur 20. Je pense bon. C'est quoi le maximum de temps que t'as le droit d'uploader sur YouTube? Quel est le record de la vidéo la plus longue de YouTube? Oh, ça doit être des jours et des jours. Ouais, mais jusqu'à... Est-ce qu'à un moment t'es nerfé? Je sais pas. Tu vas peut-être passer 48 heures, on te dit bon, c'est bon là. Non, c'est plus que 48 heures. Ah ouais, il y a des vidéos Ah, il y de a. semaines. Je crois qu'il y a une vidéo qui fait. J'avais déjà vu en 350 heures. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire une vidéo comme ça? De mettre des pubs tout du long et de demander à la commu juste de la laisser en fond? Bah de se faire bannir Ah ouais, de c'est YouTube. interdit Enfin, ça. pas ban, mais juste ils te disent ok, toi t'as plus de monétisation. Ah ouais, ok, d'accord. Je me posais la question. Et ouais. En plus, c'est vraiment l'opposé de ce que cherche YouTube. Ouais. Donc vraiment, ils vont pas aimer du tout. On rigole, YouTube, on va pas faire ça. Allez, je keep. Allez, c'est parti. Oh, le deck est fou. Okay, la main est folle. Et je pense que t'es nerfé, moi. Je pense que tu peux pas mettre une vidéo d'un mois. Maintenant, ils ont dû changer, mais. En tout cas, j'en ai jamais vu Non, un passer. mois, c'est un peu long. T'imagines la vidéo d'un mois? Ouais, Il mais faut au moins un mois pour où est-ce que l'avoir. tu mets la limite, du coup? Ouais, je sais pas. Ah, tu vois, là, on a érudit avec Make This the Pirate. Non, c'est Ça, nickel. Il y avait j'adore. même 4 dans le tour, hein, s'il faisait une bête. Bite. Putain, j'ai l'impression que quoi qu'il fasse, on s'en fout. Ah, mais ça, je dois Bon, contrer. c'est non. Du coup, j'ai contré son effet en même temps que sa créature. C'était Excellent. fort. Cheaté. Bah, fin de tour érudit, exterminé. Ouais, Fêturie, j'ai dit. Non, ça sert à rien du tout. C'est incroyable ce deck. Qu'est-ce que c'est ce paquet là? Bon, il est dingue ce deck. Parce que quand Qu'est-ce je vais mettre ça et qu'il va la tuer avec son spell à 3 là, que c'est ce je vais bien. paquet là? Mais comme t'as encore. Ceci représente la force. Et ceci représente la discipline. Je sais plus dans quoi c'est, mais j'aime bien. C'est dans Mulan. Ah oui, dans Mulan. J'allais dire dans le dernier samouraï. Pas loin. Hein. Pas loin. Ah, ça c'est chiant. Bon, même pas, on a deux basiques. C'est une 3-3 menace. Ah ouais. C'est une menace? Après, c'est une 3-3 menace qu'on gère pas actuellement, mais. Ouais, bon, ça va. Hop, rien. Nickel, il est Ouais, full ce tu top deck. deck en plus. Non, mais attends, mais gros, Comment ça, top c'est quoi deck? cette vidéo là? Je pioche ma carte de Comment ça se début de fait que tout tour, se pas un passe top deck. exceptionnellement bien? Y a aucun top deck, Val. Hein? C'est début de tour, on pioche une carte. Ok. Je la pose, il se trouve que c'est un terrain. J'ai le droit d'en jouer un par tour. J'ai 4 manas à ma disposition, il se trouve que j'ai Oui, un non, tour mais je vais 4. tourner quelques vidéos quand même depuis 5 ans. Je sais que ce n'est pas forcément la norme. Ça m'arrive pas à toutes les vidéos, Ah ça non. je te le concède. Oh, il est content Oh, avec ses dommage. deux chatcheuses là. Ouais. En réponse, je pioche une carte. Mec, c'est marrant que ça tue des gens, Érudit Shulred. Ça Ouais. m'amuse. Je te propose 5 points, moi. Je crois que la course est gagnée, donc. 6 même. 38 6 comptes. points. 8 points même. 8 points. Et 8 tu restes à son up, hein. tour, ouais. Non? Ah ouais? Ouais, je joue pas. Bon, ça me fait gagner 2 PV et il fait S'il a rien. un Raiju, tu te sens con, mais c'est vrai que les dernières listes, je joue pas de Raiju. Oh, c'est bon, je joue pas de Raiju. Ah ouais? Ok. Là, tu vois, je la perds parce Oui, que je parce suis autant que qu'il tu en. te recules un peu quand même. Ouais. Après, bon, on est à 20, quoi. Oui, ça va 20 aller. avec Antibat. T'es pas à 20, t'es à 20. 20. D'accord. Fais le plaisir quand ça se passe comme ça, quand même. Ouais. Oh oui, bon, il n'y a pas de galère, hein. Oh, Regarde. bah ça. Vas-y, pose-le. Sur mon petit mana, t'inquiète. TKT. Ah oui, on garde un peu de bloc, hein. On garde de quoi pas mourir, en fait, quelque part. C'est rude. Il a pas eu de blast, on a de la chance parce que sinon il pouvait bloquer Shulred de tuer. Oh, ça m'amuse que son trigger se déclenche quand même. À perte de temps. Au début de chaque tour en papier, tu lui dis trigger, tu prends 0. Trigger rien, ok. Fin de tour. T'aurais pu piocher. Ah bah, tu pouvais juste tuer son truc et gagner. Ah non, il pouvait avoir Play with Fire. Ouais. Ouais. Bon, enfin, on s'en fout, il peut encore gagner. Je me suis dit j'outrecuis pas jusque-là, tu vois. Ok. C'est quand même le plaisir ce qui se passe. Oui. Ça faut outrecuire par contre, Là, j'outrecuis, ouais. sans souci quoi. Je dis, tiens, Tiens, c'est non. je gagne mes PEV, tu perds les tiens. Voilà. C'est trop. Et là, Imi, il a le droit de dire, oh putain, Shulred, c'est déconné, j'en peux plus de cette carte. Oui, t'as le droit, là. J'accepte. C'est une masterclass Aucune qu'on galère. propose. Mais je veux dire, est-ce qu'on est touché par la grâce ou le deck est exceptionnel? Le deck est masterclasseux. Ok. Donc. Extermine donc, s'il te plaît.
Essayera. Mais voilà. Si on mettait Naren Phyrexian, non. Ça, c'est cher. Ouais, oh bah tu peux Ça, enlever c'est Kaito aussi, cher. hein. C'est peut-être pire que Kaito, ça. Je crois que je peux faire un Kaito même. Que Moi, Lilianna. j'enlèverais Kaito à 3 surtout. Ah, ça fait piocher, J'enlèverais ça les mecs fait 10 de débloqueur. pierre. Il y a plein de trucs que j'enlèverais en vrai. Bah, le truc, c'est qu'on n'a pas grand-chose à rentrer, quoi. Ouais, c'est ça le problème. On peut rentrer Eddie. À la place de lui. Ouais. Après, lui, il fait des 2-2, tu vois. Non, moi, j'enlèverais un Kaito à 3 et je remettrai un Kaito à 4. Ok. Bien. Je Et t'ai vu, il hein. s'est mis à la place. Non, Non, mais il non, s'est mis. non, je t'ai vu. Non. Non. Non, franchement, tu sais que j'aime cette carte. Avec son token trop beau. Eh ben, c'est parti. Oh, je crois que c'est bon. Hein. Ouais, tranquille. C'est bingo, ça. De toute façon, est-ce que Si. Hein. le deck n'a pas trop d'avance? Je pense que un mec disappear, on aurait peut-être pu encoter pour une negate. Si on pense qu'il rentre pas de créatures, mais des cartes non créatures, tu vois. C'est d'habitude, Ouais, c'est comme. ouais. Je suis pas. Je pense que Bon, l'un et c'est l'autre toujours sont pas des nul. bonnes cartes. Ouais, par contre, si Mulligan 5, tu vas pas la gagner, mais. Ça et quoi? Et Kaito? Non, je crois qu'il faut que tu trouves un land. J'enlève un land là? Ouais, t'es sur la draw, t'as 3 draws. 43% de chance. Ouais, mais 3 fois. T'as Ok. 3 fois 43%. Ouais. Et en plus, t'as 2 basiques, Je garde les mec. deux Mec, basiques, t'as vu? t'es régalé ici. Il y a le Si je trouve donut qui un est land, je arrivé là. gagne. Ouais. J'ai imité Homer Simpson, mais il faut pas le faire, c'est nul. Pourquoi? Après, on devient un mème. T'as pas vu, Billy? Si, avec marge. Un donut sucré au Oui, sucre. Et il parle normalement. Imitation, je parle. mais c'est très drôle du coup. Faut devenir des mèmes. Buzz is buzz. Ah bah attends. Ancien de Phoenix, ça fait chier. Oh, je lui montre pas encore que j'ai mes basiques. Ah si, parce que je prends des dégâts si je joue son Bah oui, c'est 3-3. chiant. Si tu lui montres pas. Surprise! Ouais, bah t'as pris deux en fait. T'attendais pas, hein? Ouais, bon, je m'en fous. C'est vrai, c'est vrai. C'est pris quoi. Quoi que je le tuais, en fait. Oui, une fois quand même. Ah, quand il commence, Patato Valdez, hein? Un peu, hein. Ça revient. Moi, j'enlève pas ça. J'enlève Vive Lance, moi, je pense. Je suis pas sûr, hein, mais. Juste pour qu'il fasse un trigger, tu vois. Voilà. Allez, Je suis ça content. dégage. Tu vois, Moi je suis aussi. Mais content. moi aussi, je suis content. Ça servait à rien, Ouais. mais on est content. Un peu à rien. Oui. Ah ben, c'est exceptionnel ce que tu trouves là. Je trouve un mana noir qui me pique pas. Je pioche là. Hein. Ouais, bah oui. Ah, le 1-1, il est vraiment anecdotique à ce niveau-là. Et maintenant, il faut que Sholdred survive pour Voilà. espérer. Donc il a anti-bête, on est mort. Il a pas anti-bête, on a gagné. Espérer aller plus loin. Et Et sur anti-bête. tu vas repasser à 8 mana, cela dit. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, on s'en Ah, fout. ouais, Moi, je m'en fous. quand même. S'il n'y a pas anti-bête, je m'en fous. Pas anti-bête. Allez, Sholdred plus 1. Ah, c'est sûr que si Sholdred reste là, on est bien. Mais... Mec, t'inquiète. Ouais, je garde ça. Ouais, Ouais. Une carte active. Ouais. mec, Oh, il prend t'inquiète. 2. Parce que comme on est à 8, même s'il a tué avec double spell, c'est tout de même relou. Là, c'est quoi? C'est expertise. Non, c'est Nairis Warcraft. Nairis Warcraft ou 2 spells. Sachant qu'il a 3 cartes en main, plus une. Deux spells, c'est pas facile. Ah, il fait du mana. Donc il a de quoi gérer. Bah non. Ah. What the fuck, Je tu vais vas les devoir taper. bloquer, malheureusement. Quoique. Il y a beaucoup de trucs qui nous tuent. Hein. Oui, c'est vrai. Si en fait, s'il tue Sholdred, il nous tue nous. Ah ouais. C'est vrai. Alors que là, Là, Plume c'est Fire ne nous tue pas. spécifiquement Lightning Strike qui a déjà été passé. Mais notre adversaire est très bon, bien évidemment. Bien joué. Pas très adapté notre deck après side à Monoraid quand même. On a beaucoup de cartes qu'on voudrait sortir et très Alors, peu je à rentrer. reprécise qu'on a mulligan à 5. Non, non, mais bien sûr, mais je Ça n'a regarde pas sur été facile. la texture de notre siding pattern, pas sur la game. Oui. Notre siding pattern, tu sens qu'il y a plein de trucs qu'on veut enlever. Genre même Érudit Fairy, c'est un peu awkward. Les mecs disent le pire, c'est pas ouf. Ouais. On a pas mal de trucs qu'on voudrait faire, quoi. Je pense qu'on a reçu le même mail. Himi, himi. Ouais. Yes! On a les droits. On a juste les droits. Bah écoute, c'est gardé. Hein. C'est gardable parce qu'on commence. Rome trigger trop cet anneau. Je l'aurais enlevé moi. Maintenant, je les vois plus pareil, les bulles, donc ça va. Tu les vois C'est vraiment comme tranquille. s'ils coulaient au fond. Ouais. À la limite, je pense qu'ils auraient dû faire une texture en mode tout ton terrain devient de l'eau quand il arrive. Ça aurait été plus crédible. Ah ouais, mais Parce ça que là, demande du plus de coup. support. Bah oui, mais Eh oui. bon, faisons les choses correctement. Est-ce que je reste mec disappear up ou je mets une bait? Je resterai Mec Disappear Up et je ferai Érudit Fairy au cas où. Ok.
Je pense que tu peux peut-être Et essayer de Ready le Block, race. tu crois? Non, je pense pas. Je pense pas Block par contre. Pas Block Picasso? Lui-même, le peintre, le fameux. C'est fou, on l'a jamais fait celle-là. Ou alors ça fait un moment et on se rappelle plus. C'est possible. Non, franchement, ça me dit rien. Quand je l'ai dit, je me rappelle de mes vannes en général. Ouais. Non, non, ça me dit rien, je pense qu'on Oh, l'a pas la fait. main, elle est claffie de spell. De. Comment ça s'appelle? De burn spell. Ouais. Mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle, non? Oui. Enfin, ça dépend. Si c'est que le truc qui met 4, c'est pas une excellente nouvelle, mais. Tu sais que dans ma tête, Fairy, c'est une 3-1. Pas du tout. J'ai bien envie de mettre ça là. Ah, tu veux, oui. Mais tu Je vais vas exiler mon exiler même érudit. ton érudit, là. On avait tout prévu. Vachement relou pour lui, un truc du cimetière, parce que c'est une carte en main. C'est Plus, deux il faut que tu cartes. sois forcément Lightning Strike. Si jamais tu le tues pas, derrière, il te fait gagner le petit PV. C'est le plissir. Là, c'est sur le raid. Juste là, là. Ah bon? La carte du dessus. Ah, d'accord, parce que je regardais le dessin, je dis bah non, PL. Et tu mens. Et qu'il est faux. C'est faux? Ah, c'est bien qu'il joue ça aussi. Bah là, on va essayer de la tuer. Bah ouais, on s'en fout. Avec ça, peut-être? C'est pas, C'est on pas fait un peu de grid. excessivement bien, Chandra, contre nous. Je pense que c'est surtout une carte qu'on contrôle. On va à Rivière et Outsider avec Mec 10 de Pierre-Up. Tu vas taper avec ton intrus là-bas et let's go. Ouais. On aurait pu aussi droit à la gorge exiler le poussin. C'était peut-être un peu outrecuidant. Ouais, franchement, il a de meilleures cibles. Surtout le truc qui met 2 là tous les tours, là Non, du non, coup bien il est sûr, actif. je pense que je me suis un peu. Oh, je blitz. Monsieur un peu emballé, si tu veux. Ça me balle pas, ouais. Non. Quand même beau paquet cadeau. C'est Christophe Maé qui disait qu'il fallait pas s'emballer, non? Pour pas m'emballer. Ouais. Lui-même. Himself. M-Poinks. La rouge. Give a Tu veux tout le stun un peu? toast? Oui. I'd Oh. love Oh, to. le rajout. Je le tue ou je les contre? Ah, contre-le, c'est beaucoup plus simple de tuer une bête que de la contrer dans ce Oui. deck-là. Ah, je pense qu'il concède sur ce play. Enfin, moi, à Non. sa place, je concède. Là, il met un point. Bah, je concède, moi. Franchement, je te le dis, Bah, là, vas-y, concède, va. je excite Bah, son. tiens, vas-y, je Mais gros, concède. Mais non. je prends le compte de Him Him. Je dis franchement, là, C'est finito, c'est pipo. ciao. C'est la Hop. concession. Tu n'as pas le droit de continuer I à joue. jouer. J'enlève. Chaîne mon pev. Stupid poker. Je vends pas ça, je crois. J'épouse. Je crois pas que t'en aies besoin, non. Oh, excellent. Et tu as gagné 2 PEV. T'as rendu compte? Peut-être. Je suis t'inquiète. Deuxième Bah, raijou? techniquement, s'il fait une bête, je peux gagner 2 PV, mais bon. Pas deuxième raijou, dommage. J'y ai cru. Oh, Eddie, c'est bien contre ça. Bah, je vais faire. Je vais Pourquoi tuer ces c'est deux bien contre bêtes. ça? C'est artefact, je peux pas le droit à la gorge. Ah oui. Donc là, je vais tuer les deux. D'accord. Je vais le forcer à la concession, là. Oui, c'est vrai. Montre-lui. Ah, t'as vu, j'ai tout en fait. Ouais. Oh putain, tu lui enlèves son. Sacrifie une créature non jeton. Son petit terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Hop. Il a perdu un land. Il attaque pas. C'est le moment de J'ai ricaner rien comme à un gobelin gifler. là. Comme ça. Là, je lui enlève Le poussin. Ah bah poussin. non, ça ne marche pas du coup. Et c'est Et non, on tout. n'a pas de bête. Ouais. Il prend Non, une mais bon, chair. t'as le beatdown, hein. Tu gagnes la course ici assez allègrement. Et Je il a vends plus pas parce beaucoup de que je cartes en pouvais main. pas faire ça à piocher. Bon, ouais, on se fine. Ouf. Ah ouais. Ah, c'est dur. Ah, on en est là. D'accord. Je sais pas ce qu'il a en main. Parce Mais qu'il lande pas. ça a pas l'air ouf. Je vois pas ce qu'il ne peut pas jouer là. Si, que des rails jouent et il a pas son land. Mais bon. Ouais. Tu penses qu'il va raijou kit cette game du coup? Oui. Je pense, hein. On C'est transforme ça. notre adversaire en raijou. Ivre de sel, il concède. Oui, allez, anti-bête. Eh ouais, mais. Défausse Sauve-le. una carta. Franchement, je te jure, je le sauve. Ah ouais? Attends, je vais d'abord défausser sa carte. C'est pas qu'un adversaire contrôle? Non, non, tu peux Ah non, sauver ta bête. cheaté. Oh, cheaté, oh. Moi, dans Rhino, je sauve mes Rhino. Et je triche. 0, une Ah ouais. 4-4 après. Après, si tu la symbolises par une carte, c'est bon, hein? Bah, la carte, je la Allez, reprends. reviens pas, quoi. Eh, j'ai joué Hearthstone quelques fois, ça marche comme ça dans Hearthstone, hein? Il y a une bonne théorie Un début de théorie, ouais. sur la raijouité de notre oppo. Ça va pas suffire. Et ouais, c'est deux, hein. Pas surtout, Ça, c'est c'est pour 5, pouvoir hein. dire à ses potes, putain, j'ai perdu, mais je l'ai mis à 11. Putain, j'étais à ça, là. Il était à 11, alors qu'il a gagné 3 PV. Mec, c'était le meilleur Presque. deck, je suis trop Ah content. ouais, j'ai Et apprécié ce j'ai trop match. Il a apprécié été cette ouf. game, ouais, bien sûr. J'ai envie de dire non maintenant quand tu Et fais un même bon les match. suivantes, je pense, avec ce deck-là.
Si je dis non à chaque fois que j'ai fait un bon match, peut-être que le jeu se dit, putain, il lui en faut plus, allez, je le régale. Allez, encore. Il fera jamais de death. Par contre, en vrai, ce deck-là, maintenant, on pose les vraies choses parce que Arrêtons là, de sinon, les rigoler. gens, ils vont me crafter en masse et c'est pas du tout ce qu'on vous incite à faire. Attendons que le deck performe un peu plus. Et tout Il est à où? droite. Il est là. Arrêtons de rire. Comme En Veigar. quoi c'est mieux qu'Esper Raffine, ce truc-là? Plus stable niveau du mana. Ok. Je te le concède. Je pense que contre aggro, c'est pas si dégueu. Ok, mais Raffine non plus, ce Raffine deck. non plus, puisque tu joues que des bêtes. T'as beaucoup plus le choix de rester up tour 2. Alors que dans Raffine, ceux qui jouent des contres, Ouais. c'est genre soit un rituel, soit un Je contre. Là, pense que on a les Raffine Jeskari. reprend un peu moins bien le board que ce deck-là, mais impose par contre une pression plus importante. Ça, contre Raffine, ça te fait draw. C'est très fort. Ouais. Il connive, tu draw. Ok. Bon, Shieldred, du coup, évidemment, costaud, mais il l'a joué C'est aussi. un peu plus stable. Je pense que ça a un plafond moins élevé que Raffine, mais ça propose des choses qui sont assez cool. Et surtout, ça permet de jouer plus d'interactions, plus Ouais. de midrangeité. C'est un paquet qui est plus souple que C'est ça. Raffine, là où Raffine est quand même un peu plus monomaniaque dans ce qu'elle propose. Par contre, ça, à part qu'on contrôle, je vois pas trop. C'est pas très bien. C'est étonnant qu'il y en ait trois main deck. Je préférerais avoir des intrus que Ça ne... des Liliana. Mais Ouais. ça doit être pour taguer spécifiquement contre 5C qui est très présent en tournoi. C'est Ouais. peut-être une adaptation à faire si vous jouez le deck en Effectivement. ladder. Franchement, Mais le en deck ladder, était giga cool à jouer. si vous rencontrez pas beaucoup de contrôle ou peut-être 5C, vous mettez peut-être deux intrus de plus. Bah, si t'affrontes plein de monorails, tu préféreras des intrus. Mais ouais. Très stylé en tout cas. Je m'attendais pas à prendre autant de plaisir en jouant, tu vois. Non, c'est clair. Le Je deck pensais que ça allait être plus galère que est. ça et finalement, pas Le du tout. deck est vraiment très J'ai sympa, ouais. quitté, mais il faut pas quitter. Voilà, bah écoutez, fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpel Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.